va bien voir, essayer de récupérer déjà en début d'étape, je pense, parce que l'équipe du leader est très forte et à mon avis, on va faire un tempo. Donc ça va jouer sur le milieu comme d'habitude, à mon avis. On va essayer de montrer le maillot encore. T'as gagné déjà cette saison une fois, après plusieurs mois sans victoire. Est-ce que tu penses que tu es capable de gagner? Ouais, même plusieurs années, enfin 2 ans quand même sans victoire, donc ça fait du bien. Et aujourd'hui, en 2-2, c'est toujours assez difficile d'aller gagner parce qu'il y a toujours des gars qui marchent. Donc on verra bien, j'ai déjà fait quelques passes dans les 10 au milieu, donc il faudrait être opportuniste et voilà, essayer de se faire plaisir aussi. Au dernier point de 1:48.
Bon André, vous avez gagné les deux premières étapes du KBE. Maintenant, quel est l'objectif aujourd'hui? Une troisième victoire? Non, je pense que c'est trop difficile. On est content si on peut rester en première position en général. Vous pensez que vous allez pouvoir réussir à garder ce maillot-là jusqu'à la fin? Oui, je crois. On a une équipe très très forte ici et on est motivé et dans bonnes conditions. Et ouais. Si Bretagne met en pression sur le maillot de Bretagne, peut-être je dois aller moi seul, mais autrement je pense qu'on peut le faire. Si les gens sont là, faut vraiment faire partie de ce groupe-là. Et ce sera vraiment. Qu'est-ce que ça te fait d'être en équipe de Bretagne? C'est la première fois que tu danses cette équipe? Bah, j'avais déjà fait un petit peu en junior et sinon j'avais fait le championnat de France aussi cette année. Et bah, ça fait plaisir vu qu'on court en Bretagne, c'est sympa, le public il supporte ce maillot-là. Donc c'est toujours assez une fierté pour un Breton de porter le maillot, ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Vous étiez très fort à l'Essor Breton comme équipe. Maintenant, comment s'est passé votre KBE pour l'instant? Bah, on a roulé fort hier, le jour avant. Et on a fait un bon contre-la-montre. Oui, on a 5 heures dans les 22 premiers. Donc, c'est l'idéal pour aller à l'attaque. Et essayer de faire un coup. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être attaquer, c'est ça? On doit attaquer. Le 10, Florian Guillot, et le 10, Yves Arsic.
Pas de tour, très peu d'écart entre les deux paquets. There is a small gap between the first part of the peloton and the second part of the peloton. About 10 seconds.
Assez dur avec pas mal de bosses en début d'étape. Quand je restais bien au sein du peloton derrière l'équipe de leader, et puis après j'essayais de tenter ma chance sur circuit comme il est assez dur. Étape sur le trophée des centres Morbihan pour celui qui a été le troisième d'étape cette année sur le Tour de Normandie. À ses côtés, le peloton avec seulement 9 secondes de retard. À ses côtés, autre présence de Renault, en l'occurrence avec Jesper Amelink, qui a été souvent sur les podiums tout au long de la saison 2011. En témoigne notamment une victoire d'étape sur le Tour de Berlin. Vainqueur d'étape sur le Tour de Cherbourg pour celui qui a été le deuxième à l'occasion d'un championnat des Pays-Bas du contre-la-montre, cinquième d'un championnat du monde. Il est toujours sur les avant-postes à Amelink. C'est le cas par ailleurs du jeune coureur de la formation de Pays-Bas en moto sur l'ouverture. Notre partenaire, à savoir les concessions, celle de Michel d'Anjou du côté de Dinan, du côté de Saint-Malo. Allez messieurs, passage à trois tours. Vous pouvez les saluer à tonneur d'applaudissements, les Néerlandais notamment en prise avec Bougeur. Allez messieurs, pour l'arrivée trois tours. Dernier écart messieurs, 23 secondes. Notre peloton qui va s'organiser sous l'autorité s'attaque à Yoann Payot avec son maillot rose. Le voilà. Regardez le numéro, celui-là.
quant à lui, avec quelques longueurs d'avance par rapport à ses adversaires immédiats de la journée, à l'image notamment, restera vigilant puisque le maillot blanc qui était dans la deuxième partie de ce peloton, vita avec nos amis également, que ce soit d'une part avec Jean-Michel Bocard, l'ancien vainqueur du Paris Épernay, et d'autre part avec Pierre Thomas, messieurs avec le passage à deux tours à négocier, dernier écart, messieurs, 23 secondes, 23 secondes avec du moins sur le relais cette fois-ci. On avait un peloton cette fois-ci avec 29 secondes de retard. Guérin, dont on sait la trajectoire, qui était les plus limpides à deux tours de l'arrivée, dernier écart, messieurs, avec une information qui a toute son importance, on a un rail au niveau du peloton, et on pense notamment aux autres coureurs de la formation, bravo Manque, à une vraie qui il y a des intérêts en jeu, et notamment avec Hollande, qui voudrait effectuer le doublé, lequel avait déjà remporté la victoire, du moins sur l'édition 2011. Nous sommes à deux tours messieurs de l'arrivée, dernier écart du mois, qui était formulé à savoir les 29 secondes. Le passage qui va se tenir dans un petit instant. Dernier écart messieurs, 18 secondes. Ça attaque, cette fois-ci, et sera le tour de l'arrivée. Le voilà avec, on le mentionnait, du moins, le coureur. On va s'en venir au 141, qui vient de placer un petit fusil. Superbe, ici avec Marcine Diallo, bloqué le courant polonais, celui qui vient de rencontrer. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. Prochain tour, arrivé pour les uns et les autres. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée sur la ligne. Et il y aurait deux coureurs visiblement, on attend l'identité des deux coureurs en question. Bravo. Messieurs, c'est l'arrivée avec le coureur de l'information des paysages, de l'information Rabo Manque. Et on remet le calque, votre grosse langue, qui prend le mur. Nous sommes en deuxième position, c'était le cas du mois avec Sénéchal. Celui qui était l'an passé le vainqueur sur le Paris-Roubaix des juniors, quant à lui en deuxième position, superbe, Hollande, première position, Sénéchal. Voilà, une chose est sûre, c'est pas un peloton qui gagne, donc quelque part on est un petit peu déçu, mais malgré tout c'est un très très bon vainqueur. En plus, il est sympa, il parle très bien français. Et moi je pense qu'on va en reparler, on va le retrouver à un autre niveau. Au niveau du KBE, puisqu'on a des majestés qui sont sublimes, on voudrait avoir 20 ans de moins. J'étais sûr que tu allais parler de ça, je ne dirais pas ce que tu m'as répondu quand je t'ai dit ça, mais ouais, le KBE progresse d'année en année, c'est une course qui compte de plus en plus, t'as vu la pirouette cacahuète? Ça me ressemble un peu, c'est pour ça que je préfère le donner moi-même. Merci, belle image, voilà la remise. Ici de la récompense à Moreno Hollande. Vous avez raison, il apprécie les... Mesdames, Messieurs, l'ovation pour le vainqueur du classement général, le Danois André Stensen. C'est Monsieur Michel Danjou qui sera pour la remise du maillot aux côtés d'André Stensen, celui qui avait déjà remporté étape sur la Flèche du Sud, qui a remporté étape sur le circuit des Ardennes. On peut l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît, sous vos applaudissements pour le brillant vainqueur du classement général, le coureur danois. Je vous en prie, monsieur le maire, qui va lui remettre la récompense. Michel Danjou qui sera à ses côtés pour la photo. Vous pouvez l'applaudir puisque il aime les applaudissements. Merci de l'applaudir. Merci à vous.